Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, un épisode détente, hein, complètement différent de ce qu'on fait d'habitude. Alors ici on est simplement parti sur du Dokkan. J'ai pas la prétention de m'y connaître à fond et de pouvoir faire plein de vidéos dessus. Je ferai une vidéo de temps en temps quand j'ai quelque chose à proposer. Je peux en profiter justement, comme c'est un épisode un peu plus détente, pour expliquer un petit peu. Donc ici cet épisode, ça va être principalement des invocations, puisque j'ai quand même pas mal de pierres. J'en ai quand même 300. Donc on va se faire 3 invocations du portail Goku SSJ4. Et 3 multi-invoques aussi du portail Super Vegeta 4. Enfin Vegeta SSJ4, hein, on se comprend bien. Donc voilà, je vais partir là-dessus aujourd'hui pour cette vidéo-ci. Rien de plus, juste de petites invocations comme ça, tranquillement. On va essayer d'avoir du lourd quand même. Alors, ça, on va pouvoir en profiter un petit peu pour parler. Donc l'avenir de la chaîne, etc. Ça change vraiment beaucoup des vidéos de Kingdom Hearts et de Final Fantasy XV, forcément. Mais j'aimerais bien faire de temps en temps, comme ça, je vais lancer une multi pendant que j'explique, de temps en temps, des épisodes plus détentes sur n'importe quel jeu, un petit peu plus, un petit Satan sur la gauche, des vidéos qui sont un peu plus posées, etc., où on peut parler tranquillement, vous voyez, pas forcément des let's play, plus des petites vidéos tranquilles. Donc on approche le SSJ2, ok, on ne dépassera pas le SSJ2. Alors, qu'est-ce que ça va nous proposer ? Un maître de la grue, super. Ok, un SSR, direct, c'est cool. Un gros dragon qui pue. Un piccolo, toujours un piccolo, du R, hein, full... Oh putain, du super Végéto. Ça c'est beau. Ça c'est beau, je vous explique pourquoi. Parce que j'ai eu l'occasion, et j'ai pas filmé, désolé, m'engueulez pas. J'ai eu l'occasion de faire une multi, et dans cette multi, j'ai eu le super Végéta 4. Végéta SSJ4, on se comprend bien. Et ça fait partie d'une team AJ, et c'est exact, AJ, je me trompe pas, les teams bleues quoi. Et justement, c'est ce que je voulais, donc c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Donc ça c'est parfait, c'est déjà une première multi qui claque des dents sévères. Voilà, Great Saiyaman, ok, on est super content, mais on s'en bat les couilles. Guldo, on s'en bat les couilles aussi les gars, c'est très clair. Ok, du Gohan, hein, on reste dans du R. Du deuxième SSR, putain, une panne. Ça fait 3 SSR. 3 SSR en une invoque, c'est magnifique. Et ça, c'est... Je me demande si c'est pas ce qu'un pote à moi m'a dit de garder, justement. Enfin, je verrai bien. Mais c'est déjà du tout beau, les gars. Du tout beau. Alors, ouais, toi, tu dégages. Je vais... j'ai l'application, attendez. J'ai un truc pour en faire un screen, normalement. Attendez, bougez pas. Voilà, un screen. Hop, je prends un screen. Voilà, comme ça c'est fait. Je garde, hein, parce que j'ai un petit groupe sur Facebook, on partage nos trucs, donc je pourrais le poster. Alors, deuxième multi-invoque sur le portail Super Goku 4, Vegeta, Goku SSJ4, enfin voilà, on se comprend bien. 1, 2, 3. Alors, un petit arc-en-ciel. Il se transforme. Ok. 3 capsules, un arc-en-ciel, il se transforme en 3 En Super 3 Putain, c'est de toute beauté. Bon, on commence avec un Krillin. Ok, toi, t'as niqué la hype direct, mon gars. T'es arrivé, t'as tout détruit. Ok, super. Putain, c'est magnifique. La tête de cul. On est vraiment dans la tête de cul. Ok, la triplette. La triplette gagnante. Du super Végéto. Une deuxième fois, c'est magnifique, le petit doublon. Alors, on continue sur du Whis. Du Cell, ok. Du Trunks. Du Boo Maléfique. Et du Tenchin, ouais. Là, ok. Bon, jusque là, c'est magnifique, les gars. C'est du Super Végéto non-stop. Par contre, on n'a toujours pas le Goku, on est d'accord. Full, c'est pas grave. Je verrai bien plus tard. On va pas se casser les dents avec tout ça maintenant. Alors, on est reparti sur une invoque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 capsules. Du rien. Ok, SSJ 1. 2. 2, simplement 2, c'est déjà très bien. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Du... Putain, du Muten Roshi, ok.
Du Gohan SSR. Du Gohan SSR. C'est du SSR, les gars. Moi, je prends. Du Bou. Ok. Du Gohan SR, ouais. Ok, de la Videl. Là, t'as tout pété. Du Vegeta Vénère. Du Piccolo. Ouais, du Tao Pai Pai. Du Dragon qui pue. Du Trunks. Et c'est tout. Ok. Bon, normalement, les gars, si je me trompe pas, je devrais avoir l'invocation gratuite. Donc, c'est notre dernière occasion pour avoir le Goku SSJ4. Ok, c'est parti. Ça tend sur la droite. Un arc-en-ciel. Du super 1. Du super 2. Et du super 2. Putain, allez, s'il vous plaît, un petit Goku SSJ4 et je suis aux anges. Du Vegeta. Du putain du Yakon. Du dragon qui pue. Du... c'est Frost, ça, si je me trompe pas. Hein, ouais. Du Goten de merde. Du Doria de merde. Du Tao Pai Pai. Putain, du C16. Oh, du Goku. Non, la qui pue la rage. Oh, du double Goku. Oh, non. Putain, les gars, non. Vous pouvez pas me faire ça. Bon, attendez. Parce que attendez. Là, les choix s'imposent. En sachant que je l'ai déjà. En sachant que lui, il va me faire casser les dents aussi si je l'ai. Que je l'ai déjà. Que je l'ai pas. J'ai. Et j'ai pas. Est-ce que j'ai pas mieux à retenter le portail Goku? Je sais, je vous ai vendu du rêve en disant les deux portails. Mais comme j'ai déjà le Vegeta, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que lui, je l'ai pas non plus. Il peut être terrible dans une team extrême. Lui, bon, bah maintenant, je l'ai. Lui, je l'ai. Oh putain, c'est trop compliqué, les gars, c'est trop chaud. Lui, je l'ai, et elle, je l'ai. Par contre, lui, je l'ai pas. Non, je l'ai pas. Et du coup, ici, je pourrais avoir quand même des sales persos. Lui, et lui. Tandis qu'en bas, attendez, bougez pas. En bas, ben lui, je l'ai. Mais lui, je l'ai pas. Et lui, ça peut être une tuerie. Le problème, c'est que comme on enclenche un truc avec 3 invoques, enfin 3 multi-invoques, une multi-invoque gratuite, bah il faut pas foirer. Il faut pas foirer. Oh là là, c'est hard, hein. Attendez. Petite ellipse et je vais regarder un petit peu pour moi ce qui peut être le mieux. Je reviens tout de suite, les gars. Bougez pas, de toute façon, dans quelques secondes, je suis de retour. Et voilà, les gars, on est de retour. Donc petite ellipse finie. Donc je vous avais promis, c'est pas compliqué. En fait ici ce qui me fait hésiter, c'est que je pourrais avoir le Goku. Et c'est vrai que ce serait terrible. Ainsi que le Black. Donc on est bien d'accord, c'est ce qu'on avait dit avant la petite ellipse. Ceci dit, ici le Vegeto Blue est quand même un monstre de puissance aussi. Mais genre vraiment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même tenter ce portail. Parce que si je l'ai lui, bah c'est magnifique, ça me permet de faire une team super aussi. Même si techniquement, avec le Vegeta, bah voilà, le Vegeto Blue, je sais pas si c'est... Enfin voilà, mais il y a quand même moyen d'avoir le Vegeto Blue. Et il y a moyen d'avoir le Golden, qui est pas mal non plus dans une team extrême. Donc, vu que j'ai le Black Rosé, ça peut m'être utile aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tenter la multi comme ça. Je pourrais l'avoir lui aussi, donc ça va, c'est vraiment cool. Je vais tenter la multi chez Vegeta SSJ4. Et puis on verra si on a le Vegeto, ben tant pis pour les 3 plus 1, on fera une autre. Enfin voilà, on s'arrangera, il n'y a aucun problème avec ça. Donc c'est parti pour la multi. Let's go. En même temps, dans un sens... Si on a le Vegeta SSJ4 encore une fois, ça permet de faire l'arbre des compétences, donc ça peut être bien aussi. Allez, SSJ1, tu casses rien, tu casses pas de briques là, SSJ2, c'est tout. Ok, bon bah allons-y. Ok, on a quoi? On a la Kaioshin du temps, on a un appât de merde. On a le baby Vegeta, c'est magnifique, c'est déjà ça, c'est super parce qu'il est, enfin on peut le Dokkan maintenant, donc c'est parfait.
On a le Trunks SSR puissance. Jusque là, c'est magnifique, hein. On a du lourd. Oh, du Yamcha, ouais, Yamcha. Lui, je sais même pas qui c'est. Enfin, je connais pas son nom par cœur. Du Zarmon. Du Piccolo, hein. Qu'est-ce qu'une multi sans un Piccolo? Du C16. Du Dragon qui pue, parce qu'un Dragon qui pue, c'est toujours magnifique. Donc, on va retenter, hein. On essaie d'avoir le Végétobou. On est reparti, c'est parti. On avait dit qu'on ferait ça, on fait ça. On se tient au plan, les gars. Alors. 1, 2, 3, 4. Ok. Je sais qu'il y a des nouveaux bye-bye. J'aimerais bien les voir, en fait. 1. 2. Et simplement 2 encore. Ok. On a quand même eu du lourd à chaque fois qu'on a eu du 2. Hein, donc on va pas se plaindre. Du Trunks puissance. De la Videl. Ok. On a commencé fort. De la panne. Ok. De la panne, les gars. Du Retrunks. Du Yamcha, ok. C'est Yamu ou Spopovic? Je crois que c'est Spopovic, lui, mais je suis pas sûr. Du Raditz. Ok. Du Thalès. Ozaru. Ça, c'est cool. C'est cool parce qu'il est agi. Ok, toi, ok. Je sais pas ce qu'il vaut du tout. Franchement, les gars, j'en sais rien du tout. Mais, c'est cool. Franchement. C'est de la J, ça va dans la team Vegeta. Ah non! Ah mais non, je dis des conneries. Vegeta, c'est des super à J. Oh là, 1, 2, 3, 4, ok. Ah non, j'ai vraiment dit de la merde, là. Autant pour moi, les gars. Vous pouvez me lyncher en commentaire, y'a pas de problème, j'accepte. J'assume ma bêtise. 2, ok. On y est. Du Frost. Du Babidi. Du Tenchinan. Du Oob, bon là c'est la multi invoque qui pue un peu, du un crâne rasé. Du Papa Broly. Du Cell. Putain, y'a rien là, ça sort rien. Un dragon qui pue. Un Yamcha qui pue. Un Yamcha pue de toute façon à la base. Du Ginyu qui pue. Et ça c'était vraiment l'invoque de la merde. Là on rattrape bien notre... Enfin tout le reste quoi. On rattrape. Alors attendez. La multi, voilà, la multi gratuite, c'est parti. Allez, c'est parti, les gars. Du Satan à gauche. Du rien. Ah, j'aurais jamais eu le bye-bye, quoi. Moi qui voulais juste voir le nouveau bye-bye, du 2. Ok, du 2. Ok, ok. Bon, le lourd de tout à l'heure. Sauzer. Ah! Du C17 SSR, ok, ok. Je savais même pas qu'il y a... Je n'avais pas connaissance de son existence. Comme je vous dis, j'ai pas la prétention de dire que je connais beaucoup de choses à Dokkan. Hein. C'est juste un jeu, c'est une petite drogue en fait. Mais voilà, du Whis, ok pour l'instant. Ok, la panne là, ok. Ah, du Golden Freezer. C'est l'Intel. Je pense que c'est le moins bon des trois, si je ne me trompe pas. Mais ça reste du SSR. Ok, du Giku. C'est Ginyu qui monte son cul. Et c'est tout. Ok, bon ben voilà les gars, on en a fini, donc on n'a pas eu notre Végétobou, un petit peu triste, ouais, un petit peu triste quand même, un petit peu triste, mais bon, on a quand même eu du très très lourd, hein. Donc on en est où là? On en est avec une bonne petite équipe là alors, attendez, on va se classer, putain 166 sur 100, je vais pas chier quand je vais devoir refaire les trucs, alors attendez, on va se classer ça, déjà voir les SSR, hop, ok. On a quand même du lourd en SSR, on a blindé de doublons, ça c'est clair, mais bon, alors on a du magnifique Vegeta SSJ4, du double Super Vegeto, le Black Rosé, on a eu le Baby Vegeta Int, le... oh, j'ai un trou de mémoire. Oh non, j'ai un trou de mémoire, les gars, je saurais plus dire son nom, c'est pas grave. Le Golden Freezer, le Gohan, du Trunks comme s'il en pleuvait, vu que j'avais déjà une fois. Du Super C17, non du C17 pardon SSR et de la panne que j'ai trop 4 fois maintenant. Bah, c'est bon hein. Là on est fait en SSR hein. On peut rien dire les gars. On ne peut rien dire. Et ben voilà. Ben sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Hein, c'était juste, donc comme je vous ai dit, une petite vidéo détente, invocation. On a vu un petit peu ce que ça donnait. On a eu du très très lourd hein, sur le début vraiment, je trouve. Sur la fin, ça s'est un peu calmé. Mais ça va, hein, on n'a pas à se plaindre. En général, je pense qu'on n'a vraiment pas à se plaindre sur les 300 pierres ici.
Donc voilà, sur ce, j'espère, comme je l'ai dit, que ça vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. N'hésitez vraiment pas à lâcher un commentaire, même à me guider un peu dans Dokkan, parce que pour le moment, je suis pas très, très, très calé, donc je compte sur vous, les gars. Par contre, si vous avez, petit moment publicitaire, si vous avez l'occasion, franchement, j'ai un ami qui commence une chaîne YouTube, justement, sur Dokkan, qui lui fait des tutos, c'est d'ailleurs lui qui me conseille en général. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne d'Austin, c'est Austin6280. Donc il a commencé, hein. Je pense que pour l'instant il a 4-5 vidéos de tutos, quelques petits tutos pour l'instant sur la version globale. Et voilà, donc n'hésitez pas à lui donner, à lui faire part de vos commentaires également. Moi, comme d'habitude, si quelque chose vous a déplu, n'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire, comme ça je saurai à quoi m'attendre. Enfin voilà, je peux rectifier des choses aussi, il n'y a aucun souci. Et voilà, donc je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous fais des bisous et je vous retrouve la prochaine fois. Donc sûrement pour un épisode de Kingdom Hearts. Allez, salut les gars, ciao ciao.